Le PM joue au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était un débat très très important avec des remarques très importantes et des exhortations aussi au PM très très remarquables. Le PM joue lui-même, hein, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme un enfant qui venait prendre les exhortations et recommandations, les remarques de ses parents. Bonjour, bonsoir Internet. Ça va dépendre de qui côté, qui le, qui boit, ou pour regarder nous. Depuis notre la caillou, ou qu'on est gazin. Donc si gazin, ou qu'on n'a pas de faire l'autre bagaille. Ralenti chez bon, vin prend zin. Donc pas bouger, tout à l'heure comme ça, nous pour parler. Bonsoir tout le monde, mes frères en forme. Donc, PM Jout, tu es dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. PM Jout, pas dans le pays. Il n'est pas dans le pays, bien entendu. PM Jout, aller dans le Conseil de sécurité, là, il a un rapport et là, il répond à une question sur la situation que le pays a lui-même traversé. PM n'a allé dans Nations Unies, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, là, il attendait et là, il a un rapport. En attendant des gens, chef à plein. En effet, depuis plus de 2 ans, le pays connaît une situation sociopolitique extrêmement difficile, caractérisée par des tentatives récurrentes de déstabilisation et des troubles à l'ordre public orchestrés par une certaine frange de l'opposition qui ne jure que par le désordre et l'instabilité. Donc, je souhaite garder là. Autorité à qui le Conseil des Nations Unies, lui profite de l'occasion pour porter plainte pour oligarques avec opposition qui, selon lui-même, empêche le pays à marcher. C'est Mounsayo qui a simé terreur dans toute zone du pays, qui empêche le pays à marcher, selon lui-même, qui a mauvaise foi. Donc, c'est ça, monsieur, lui a dit dans le Conseil de sécurité. Parce que peut-être, selon lui-même, c'est opposition avec oligarques qui est dans tête pays. Peut-être, selon lui-même, c'est lui-même qui est président avec le Premier ministre. Est-ce qu'on t'a décausé? Notre tour prend le soin pour le remercier Conseil de sécurité des Nations Unies pour le bel rapport qu'il a fait sous situation Haïti. Est-ce qu'on va décauser? Nous tenons à remercier et féliciter le secrétaire général pour ce nouveau rapport qu'il présente sur la situation en Haïti, dont nous partageons certaines des grandes lignes et recommandations. Mais parmi tout ça que dit, que l'y apprécié dans le rapport, mais PM n'a dit qu'on a un petit problème. Que li senti gon ti côté yo mal comprendre ou bien yo pas mettre trop accent sur li, OK, yo pas mettre trop accent sur travail gros bout de temps ton travail que administration là que responsable chef l'état pays a li fait dans pays a pendant 4 ans en temps de la société mais qui travaille, mais qui gros travail selon Claude Joseph, que Conseil de sécurité des Nations Unies pas porté attention à elle, que pouvoir lui-même lui fait pendant 4 ans. Entendez. Nous regrettons cependant que ce rapport n'ait pas suffisamment pris en considération les progrès significatifs réalisés dans le pays au cours des 3 ou 4 dernières années en matière de promotion et de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, d'amélioration de la gouvernance et de renforcement de l'état de droit. Est-ce que nous entendons la société? Nous entendons, selon Claude Joseph, est-ce que nous entendons qui travaille, que le gouvernement fait? Oui, mais oui, il y a un état de droit, vrai. Ça fait logique. Parce que si pas de état de droit, mes amis, là, moi, mon férié d'Orval, hein, ou pas, il y a régler, gen tan gen moun ki arrêté, justice bay, tout coupable gen tan en prison, oui gen état de droit. L'homme Speed Pétion, alias 12, oui journaliste RSF là, gen état de droit dans pays avri. Oui gen état de droit. Et si nous t'apprend même, l'homme Néhémie Joseph, hein, journaliste reporter méga, hein, la gonaïve, oui gen état de droit, tout moun wè gen état de droit dans pays. Tellement gen état de droit, ou pas wè tout gang qui a nu la société, hein? Gat sa barbecue a fait en bas là, la Delmas, gat sa Genève en famille a fait dans le pays là. Hein? Gen état de droit, pas tout dans prison. Gat sa GPEP lui-même dans des autres groupes qui c'est GPEP lui-même. Hein? Les Gabriel, les Iso, hein? Les Tilapli, gat sa y a fait dans le pays. Gen état de droit. Ou pe moun arrêté, ou pe bel jugement fait. Oui,
parquet ou pas parquet côté lié sous bicentenaire malgré tout tiré malgré bicentenaire tête chargée ou pas parquet il a altérété et puis gars assis criminel gars toute bagaille et parquet attendait tout dossier gars état de droit normalement prisonnier politique ou pas ouais toute la guerre dossier anel là hein anel belison elle qui est passé devant juge lui hein il pas dossier pas été fini il pas été jugé si pour condamner pour condamner ou bien si pour laguer pour laguer dossier ça fini babaski lik hein toute jeune militant ça que t'a arrêté anel là tout pas été passé devant tribunal tout qui est passé et au passé sûrement il est jugé même donc pays a un bel état de droit monsieur mais nous même nous gagne sous nous nous gagne sous nous parce que nous pas qu'à tout monde à suivre qui j'en saille et tout le monde a gardé tout le monde dans pays et même monde qui à l'étranger après qui j'en nous même n'a dirigé pays et puis pour arriver là dans conseil de sécurité nan, pour ça ou elle dit pour ça ou elle bail comme rapport et puis tout on lit aller plus loin s'il vous plaît pour parler que oui y a goumé contre question corruption oui gouvernement ouvert un gros hein campagne contre corruption ou pas ouais Haïti comme Haïti fini soit premier ou bien li parmi 10 pays dans Caraïbes là qui a goumé contre corruption, est pas vrai? Non, est vrai. Haïti pas mis 10 pays peut-être, mais lui-même premier même, n'est-ce pas? Parce que on paye pendant 4 ans et même non temps avant, mais pendant 4 administrations ça, pour même une fois pas même gros moun, hein que relé la justice pour corruption, pour l'aller les dire que gouvernement entame des démarches contre question corruption. Mais c'est méchant ça, quelle absurdité. Mais c'est méchant ça, quelle absurdité. Monsieur gen moun sérieux dans pays a toujours hein gen moun sérieux faut nous pas banaliser un pays comme ça hein c'est pas un pack ça ça est pour simple territoire côté moun a bambilé nous te prend nous faire salver avec nous te mettre grapialiser hein tout gros poste dans pays a nous te mettre grapialiser la présidence nous te mettre grapialiser la primature mais là il toujours est ton pays parce que gen moun là dans toujours bon après tout ça tout PM nan continue PM de facto s'il vous plaît. Li continue pour l'expliquer qu'on y a le fin bay. Mais tout problème que yon même yap combat, oui, s'il vous plaît. Autant de tout problème yap combat. Et bien, qu'on y a PM nan li pral fonti expliquer, mais tout problème que pays a li même la traversé actuellement. En tant de PM nan kap expliquer dans Nations Unies, problème que pays a li même la traversé. Tant que c'était moi-même ou même comme citoyen qui a expliqué mes problèmes nous. En tant de PM nan. De 1986 à 2016, le pays a connu pas moins de 15 gouvernements de transition, dont 10 pour la seule période de 1986 à 1993, avec pour seul résultat de véritable paralysie institutionnelle et l'aggravation de la faiblesse de l'État. Les régimes de transition favorisent toutes les formes de combines, de corruption et de concussion, tandis que le pays sombre dans l'instabilité, la pauvreté, les inégalités sociales et économiques et peine à trouver la voie de son développement. Yo kite monsieur a fin parler contre lui. Yo kite le fin voye vente li vin fait vin si ça l'a dit parce que tout le monde gè donné yo. Mais grapo alan mais déjà c'est yo dressé les papiers nan te dressé le pou yo. Hein? La lim li même qui cite qui peut-être pour la une des fois qui reçoit font travail. OK? Qui pour la une des fois reçoit font petit travail. Bien que nous t'a dit c'est hypocrisie, mais peut-être là, nous t'a dit, il était cohérent là. Et puis, on va le bail, monsieur, à leçon. Entendez leçon. Là, il va le bail. Notre opinion est que le gouvernement, en l'absence de parlement, aurait pu s'inspirer de la procédure utilisée en 1986, décrite ci-dessous, qui avait permis une très large participation de la population. Premièrement, mise en place d'un comité de rédaction de textes constitutionnels. Deuxièmement, organisation d'élections et de consultations pour la formation d'une assemblée constituante de 61 membres, dont 41 élus et 20 désignés par les associations socioprofessionnelles du pays. Troisièmement, diffusion des travaux de l'assemblée constituante en direct sur les ondes de la radio et de la télévision nationale. Par cette large diffusion, le public pouvait constater que ces suggestions étaient prises en compte et comprendre les motifs des dispositions constitutionnelles proposées. Quatrièmement, vote de la version finale du texte par l'Assemblée constituante, article par article. Cinquièmement, organisation d'un référendum pour que la population se prononce sur le texte adopté par l'Assemblée constituante. Donc, il y a le soin
pour expliquer monsieur a rôle exécutif là. Oui, parce que yo senti son œil qui marche plein tant qu'qui ont cuit cap plein s'il vous plaît pour mettre là dedans pour lui. Yo expliquer lui même avec président là mais qui rôle yo. Donc c'est pas marché plein dans Nations Unies, c'est pas marché plein dans toute la presse, même à tout le monde, même à tout citoyen dans pays là, tant qu'yo même tout, yo a confronté problème yo même à nous tous, tant que c'est nous même y a prétendre qui pour venir payer avec problème ça yo gagne. Donc yo expliquer monsieur a, en bonne et due forme rôle lui même avec tout président là. Et ça belle là, yo pas qu'au fin avec elle. On ça belle yo pas qu'au fin avec elle. Entendez toujours. L'environnement sécuritaire, le contexte sociopolitique actuel rend très difficile, pour ne pas dire impossible, la mobilisation de la population pour sa participation à un quelconque processus électoral. La première préoccupation de la population, majoritairement pauvre, est de satisfaire ses besoins primaires et ceux de sa famille. Elle vit dans la précarité financière et sécuritaire. Les gangs font la loi. Kidnapping, vol, viol, crime nous menacent tous. Nul n'est exempt. Les habitants des quartiers défavorisés à forte densité de population sont les principales victimes. Ces agglomérations se retrouvent surtout le long de la côte ouest de la ville de Port-au-Prince et dans les collines proches d'elle. Les sorties sud, nord et est de Port-au-Prince sont sous le contrôle de bandes armées. La vallée de l'Artibonite, importante zone agricole du pays, vit sous la menace de bandes armées depuis plus de 2 ans. Le moniteur spécial numéro 18 du 18 mars, numéro 2021, instaure l'état d'urgence dans les zones de Village de Dieu, Grand Ravine, Delma, Savien, qui sont dans la zone de Port-au-Prince, et Petite Rivière de l'Artibonite. L'insécurité et la violence perturbent les déplacements entre les différents quartiers de Port-au-Prince et entre Port-au-Prince et les autres villes. L'accès aux lieux de travail est un risque quotidien pour les employés. Les entreprises sont parfois forcées de fermer leurs portes à cause de l'action des gangs. Le palais de justice de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, est situé dans une zone dangereuse, limitrophe au quartier contrôlé par des gangs lourdement armés. Malgré les demandes réitérées du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince et du personnel judiciaire, le gouvernement n'a pas accepté de le relocaliser sans pouvoir en assurer effectivement la sécurité. Ces derniers mois, la guerre des gangs dans la commune de Cité-Soleil et à Martissant a fait de nombreux morts et blessés. 2 élèves d'une classe terminale de la même école de Cité-Soleil ont été abattus en l'espace d'une semaine. Les populations ont dû fuir leur domicile. Les cadavres ne sont pas dénombrés. Souvent, un cadavre retrouvé est enterré sur place, sur ordre des autorités appelées à en faire le constat, quand elles se présentent ou peuvent se présenter sur les lieux. Sous dossier sécurité pays, yo saute bay, ti tonton leçon. Yo balon leçon morale. Pour le connaître, lycée chef CSPN, babe se connaît, on te gagne 2 jours, 3 jours, on te gagne semaine même. Mais depuis l'on la yon chef. Et qui action posé, hein? Qui action posé comme étant chef CSPN, nan, le premier des policiers, même Jean l'autre, comparé l'on a te dit, qui action posé pour problème sécurité à Gela. Donc, yo explique monsieur en bonne et due forme dans tous les détails, mais qui problème sécurité pays à lui-même l'a traversé. Ou pas ta dit jeune homme, non, lui-même li parle en pays à. Et ça fait logique pour faire comme ça pour lui. Parce que, li vini yo wey en bêtise, li vini passe moun. Yo explique elle. Ça que là, yo bon fin avec elle. La France kounya, représentant la France, li pral explique monsieur. Ok? Li pral explique le problème pays à lui-même l'a confronté. Et au même qui wall you. Et tout parler tout de question dossier Maître Dorval, hein. Dossier Maître Dorval là, on pas oublier ça. Mon ferrier Dorval bâtonnier, récord nous bat là. Faut nous bail rapport sous lui. Il parlait de dossier Dorval et massacre la Saline, hein. Massacre la Saline, massacre Belin, OK. Elle parlait tout de cause Matissan. Donc entendez. Et il incombe, je le rappelle en premier lieu, à l'exécutif haïtien de mettre fin à cette situation de blocage. La priorité est donc d'organiser les élections législatives et présidentielles qui sont prévues cet automne, et pour s'assurer de leur crédibilité, 3 conditions sont nécessaires. Premièrement, les autorités doivent garantir la sécurité des électeurs, et je tiens ici à saluer la création d'une cellule électorale conjointe auprès de la police nationale d'Haïti. C'est un pas dans la bonne direction, même si beaucoup reste à faire, et en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Deuxièmement, les autorités doivent établir les listes électorales, des listes fiables, et accélérer la distribution des cartes d'identification.
4,4 millions d'Haïtiens ont déjà été enregistrés. Il faut poursuivre ces efforts. Enfin, et c'est la troisième condition, nous appelons toutes les parties à travailler de bonne foi vers l'élaboration d'un consensus qui permette la tenue d'un scrutin transparent dans un climat apaisé. Monsieur le Président, la situation sécuritaire en Haïti se dégrade. Les violences entre gangs, les enlèvements, les atteintes aux droits humains et les attaques contre les forces de l'ordre se multiplient. Les événements récents dans la banlieue sud de Port-au-Prince témoignent du climat de terreur qui règne dans le pays. La solution, nous le savons, consiste à donner davantage de moyens à la police nationale d'Haïti, qui se doit d'être irréprochable. Les recrutements qui ont été effectués ces derniers mois sont positifs. Ils doivent être poursuivis. S'agissant de la lutte contre l'impunité et contre la corruption, nous ne constatons en revanche aucun progrès. L'enquête sur l'assassinat de Montferrier Dorval est au point mort et les Haïtiens attendent que justice soit rendue après les massacres de Grand Ravine, de La Saline, de Bel Air, et les auteurs de ces atrocités sont toujours en liberté. Donc, la République, je saute tant d'ailleurs. Il fait pour comprendre que les gens ici ne sont pas des bonnes bêtises. Ce sont pas des bonnes nègres. Si tant que le pays a été un caille, et yon même yon se yon gren élément dans la famille, qui j'en yon ta fait yon parler toute famille mal, chaque l'un saute de yon. Ou mette fin ba yon manjande yon ta pral saute de yon, yon di yon gangou. Ok? Ou te mette tout te fin palon koza ave yon, yon ta pral saute de yon, yal van nou. Kon sa tout, yon ta plan kala yon pata fait travail. Comme étant moun responsable pour faire travail, yon ta saute de yon tout sal pour yon fon palon mal. Nèk bo ici tout pa ket ben renseur yon. Et se nèk yon grapialise toute institution dans le pays. Qui pour arriver dans le Conseil des Nations Unies, pour y aller mettre l'emboyo, pas ta dit bon si moun. Ou so wap sorti ou pral non Conseil des Nations Unies, hein? Ou pral représenter pays, ou pral bail, hein? Ou pral bail rapport. Il faut être bien préparé. Pas de question vous et monter. Parce que le problème, yo, tout le monde connaît déjà. Ou pas pral l'en bail menti. Et faut te marcher à toute réponse pour chaque problème ça que vous soulevez. Ou que vous n'avez aucune solution pour vous. Ou vina avec un discours tout fait. Qui a même bagaille que n'a répété chaque jour, que vienne parler de élection, hein, vienne parler de causer, hein, de causer de référendum, vienne parler de n'a pas pouvoir avec un président élu, mais qui ça nous fait pour n'a pas pouvoir avec un président élu, hein? Nous tout temps nous yo, parmi 6 élections que nous faire combien nous fait? Hein? Nous pas prendre moun pour égarer. La République j'en toujours dit là. Pas de monde qui a sauté au côté. Et ouais, ça clair. Dans chaque vidéo, nous montrons, nous faisons des analyses, nous venons avec des vidéos tout pour nous montrer. Moun sa yo, gens que yo a grabialisé pays, yo prend tout le monde dans le pays pour même moun avec yo, yo pense pas de monde toujours bon ici. Et si vous même connaissez moun toujours, ok, ou bien pour faire monsieur ouais ça. Et faut que nous bayons monsieur une leçon morale pour yo comprendre que le moun à l'école, yo pas de bêtises à ça. Parce que pas seul yo même pour yo à l'école, même si yo même yo à l'école, c'est voler, yo à voler, pour nous faire comprendre nous même. Le moun à l'école, c'est apprendre nous à l'apprendre, c'est former nous à former tête nous comme citoyens. Donc si yo même yo former tête yo pour venir voler, yo pas qu'à penser que voler doit gagner priorité sous des personnes formées dans la République. La République, nous pas qu'à parler trop. Nous ne pouvons pas parler en pile à mon boy ici. Parce que nous ne pouvons pas le faire coller pour vous. Ok? Je ne toujours dis là. Abonnez, commentez, partagez, like. Ça va dépendre de vous. De sourire mettre avec la fête là. Et sous consenti et fort nous faire pour nous parler avant dans la vidéo nous chaque jour. Bernard Junior dit Johnny pour ça connaître et ça d'accord. Bye bye la République. N'a quoi à avoir pour une prochaine vidéo.